15 years Philharmonie Luxembourg. What a beautiful birthday. I'm very proud that I was here two times before in the beautiful chamber hall. Happy birthday. Liebe Philharmonie Luxembourg, alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday. Bon anniversaire. Bonne fête, bon anniversaire pour les 15 ans de la Philharmonie. C'est toujours un plaisir de venir chanter ici. Joyeux anniversaire, la Philharmonie de Luxembourg. Joyeux anniversaire. Dear friends of Luxembourg, me together with the wonderful Gewandhaus Orchestra would like to wish you a happy birthday. Parabéns a você nesta data querida, 15 anos Philharmonie de Luxembourg, que desejo muitos, muitos, muitos mais e que eu tenha a oportunidade também de estar presente nesta sala tão maravilhosa. Super bon anniversaire à la Philharmonie de Luxembourg pour ses 15 ans. J'espère que dans 15 ans on va se revoir en célébrant encore un autre Grammy, peut-être, ou toujours en faisant de la bonne musique. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis mélomanes, tout d'abord, bienvenue à toutes et tous. C'est une immense joie pour moi de pouvoir à nouveau vous accueillir à la Philharmonie ce soir pour le premier concert de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, notamment, bien évidemment, sur la direction de notre chef titulaire, Gustavo Gimeno, après le confinement, ou bien sûr, mieux peut-être, après le déconfinement. Vous serez d'accord avec moi, il était difficile de ne pas remarquer que ce jour coïncide avec la date du 15e anniversaire de la Philharmonie. Un anniversaire que nous sommes ravis et fiers de pouvoir célébrer avec vous ce soir, bien que ce soit sous une forme plus modeste que d'habitude, mais peut-être plus chaleureux. À cette occasion, Madame la Ministre de la Culture nous fait l'honneur et le plaisir de non seulement être présente parmi nous ce soir, mais également de prononcer une brève allocution sur le rôle de la Philharmonie tout au long des 15 dernières années et sur son futur destin qui, espérons-le, sera optimiste. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et j'aimerais aussi à la fin saluer, parce qu'il y a aussi deux anciens ministres dans la salle, une ministre de la Culture et des Bâtiments Publics qui était, que nous appelons, la mère de la Philharmonie, Erna Hennig-Koschepches, et aussi Octavie Maudet, qui était ministre de la Culture à l'époque que moi, j'étais embauché ici à la Philharmonie. Je suis ravi de vous voir aussi dans la salle ce soir. Merci.
Mesdames les ministres, députés, monsieur le directeur, chers musiciens, j'ai rarement été aussi contente d'être devant une salle aussi vide. Je suis vraiment heureuse de pouvoir célébrer avec vous ensemble ce 15e anniversaire. C'est mon premier concert depuis la mi-mars. Je pense pour la majeure partie d'entre vous, c'est la même chose. Et c'est un beau signal de pouvoir se retrouver autour de cette superbe formation et dans cette salle qui aujourd'hui célèbre ce 15e anniversaire. Das ist auch nur, wo es ganz genau 15 Jahre ging, dass heute den ersten Konzert für das Publikum organisiert wurde, war ein ganz wochenlanger Rund von Konzerten. Und hinter hier hat die Philharmonie einen ganz weiten Weg gemacht. Toen lange jaren veel mensen zich immers ervoor aangezet dat ook Luxemburg ging zo een concertzaal creëren die op de hoogte werd van onze culturele ambitie. En wanneer je kijkt hoe je weet de Philharmonie wat die 15 jaar gemaakt heeft, dan is dat gewoon extraordinair. Niet alleen het spectrum van de concerten die hij gebieden ging, zijn heeft zich immers verwijderd. Het gaat die ganze palette van de muziek, van klassische, de jazz, de muziek du monde, gaat gewiesen, ook de programma die het rondom gaat, zijn wirklich van een enorme kwaliteit, ook de ontwikkeling in het pedagogische bereik, wie kan er ook toe gaan, hij op de muziek, als remarkabel. En dat kan natuurlijk niet mogelijk, maar wanneer de OPL ook erbij was, den auch über die letzten Jahre sich nicht mehr muss beweisen, auch in der Leitung von Gustavo Gimeno, den er verlängert hat bis 2025, wo wir ganz froh sind, die Stabilität auch zu haben für die Symbolik an die Force von dem OPL an der Kulturlandschaft, an der Musiklandschaft zu Lützburg. Denn Stefan Gemacher hat gesagt, ich gehe auch nach den Ausblick machen. Ich hoffe für uns alle, dass wir geschwindern können an einer nach mehr großer Normalität mit vollem Saal und mit all den Leuten, die wollen, die Idee wollen, können Konzerte zusammen genießen. Ich freue mich jedenfalls darauf, ich meine, Troll von der Philharmonie an der Lützburger Kulturlandschaft, der ist nicht mehr an der Diskussion, der das ein ganz fester Standbein von unserem kulturellen Leben zu Lützburg. Und es kann eigentlich bald nicht mehr besser gehen, wie es schon ist, weil das wirklich, wir sind ganz nah in der Exzellenz. Und ich wollte all denen Merci sagen, die an den letzten Jahren mit ganz viel Ansatz geschafft haben. All die Mitarbeiter von der Philharmonie, natürlich all den Musiker vom OPL und auch der Direktion. Voilà. Vielen Dank und ganz schönen Abend.